Salut à tous les amis, c'est Cocotaz. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un bug pour être invisible et regarder à travers un mur. Donc tout d'abord, il faut venir ici sur la tâche au milieu et regarder la petite tâche là. Et après, vous devez vous mettre au niveau de cette branche, vous accroupir. Puis là, vous êtes à peu près invisible et pour regarder à travers le cube, et ben vous avez, enfin à travers la petite dalle là, vous avez juste à mettre votre vue et puis vous voyez à travers. C'est tout simple. Et du coup, bah après vous pouvez voir si là-bas, genre il y a des gens qui arrivent. Genre regardez, attendez. Je vais construire pour vous montrer. Hop. Voilà, maintenant, je vais vous montrer ça. Hop, alors, on y revient. Et voilà, regardez, on voit à travers mes constructions. Donc du coup, c'est pas mal pratique parce que regardez, si vous vous mettez par là, normalement, vous êtes à un poil visible, mais pas beaucoup. Attendez, je regarde aux alentours parce que j'ai pas trop regardé. Ok, là, il n'y a rien. Là. Ah bah là c'est pareil je crois. Ouais mais là vous voyez ce qu'il y a là-bas. Donc si vous voulez faire le tour genre. Vous regardez ici pour regarder là-bas. Vous vous décalez. Vous vous mettez là pour regarder là-bas. Donc maintenant il est actuellement 20h12 du 21 du 21 octobre 2018. Et il va sûrement se passer un événement à 21h où l'île va sûrement retourner dans le trou de Leaky Lake. Donc attendez, je vais aller vous montrer de toute façon. Alors. Voilà, de toute façon déjà vous commencez à voir l'île là. Alors. Et si vous regardez, on voit une sorte de battement de cœur sur le cube là. C'est assez spécial. Ah, il y a un bug aussi, on peut voir le reflet du cube mais dans l'eau. C'est un peu bizarre et c'est un peu buggé aussi surtout. Alors. C'est parti, on va aller voir ça. Ok. Hop. Alors. Bien, je pense que l'île, elle va retourner là. Donc voilà, l'île, elle va se retourner là, je pense, dans le trou en plus. Donc là, attends, je vais essayer de faire un challenge, ça va être d'essayer de récupérer le coffre qui est là. Je pense pas que ce soit possible. Attends, c'est impossible. Et... Non, je pense que c'est littéralement impossible. Non, c'est impossible. Donc. Voilà. Ah, attendez, je vais pas aller voir, mais on va aller voir le nombre de cubes qu'il y a dans la maison aussi. Ah ouais, il y en a pas mal déjà, juste là. Oh, what, tout ce qu'il y a, limite on va bientôt plus pouvoir rentrer dans la maison. Alors je vous dis une technique aussi, genre si vous avez des pièges, je vous en posais un. Là au moins le mec s'il veut venir là pour regarder sur s'il y a un piège, et ben, il est obligé de passer par dessous parce que du coup s'il vient là et qu'il s'accroupit, il va pas forcément le voir. Donc s'il passe là et qu'il a moins de 150 HP, hop, il meurt. Attends, du coup je suis pas allé voir là. Ah ouais, on peut même pas passer. On est obligé de péter ici. What? C'est quoi ça? Il y a des déchets. Bon là du coup il y a toujours le coffre. En haut on va aller voir. On va aller voir sur le toit.
What? Ce que ça fait? J'ai failli mourir là. Enfin, j'ai failli tomber. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour me donner des idées de vidéos. Et puis, c'est tout. Ciao, ciao!